Ce projet, c'est la rencontre de quatre amis, une amitié de longue date. Alors Berthe Verschuren, Virginie Jacquin et Will Neo, avec qui on a toujours fait depuis très longtemps des projets ensemble. Et ça faisait longtemps qu'on voulait aussi construire quelque chose vraiment avec une grande formation symphonique, avec des solistes. Et on a rencontré le directeur du Colisée de Roubaix, puis on a échangé des idées, on a discuté. Et il nous a susurré l'idée, pour les 50 ans du dernier concert de Jacques Brel qui avait été fait à Roubaix, de créer quelque chose sur cet événement-là. La Folia de Lille, c'est une formation symphonique, hein, comme son nom l'indique, d'environ 80 musiciens, qui est partagée entre des professionnels de la région, des profs de conservatoire, des musiciens d'autres orchestres, et des amateurs qui ont choisi de prendre une autre voix que celle de leur instrument, mais qui sont recrutés sur audition et qui ont tous des niveaux de prix de conservatoire. Je suis accompagnée de 6 de mes élèves, voilà, donc deux premiers violons, deux seconds violons et deux altistes. Je trouvais l'idée intéressante de faire découvrir à certains de mes élèves, ceux qui en avaient la possibilité au niveau de l'organisation, au niveau du niveau, au niveau de tas de critères, de participer à ce projet. Mon critère de sélection, c'était vraiment deuxième et troisième cycle de l'école de musique. J'ai eu des volontaires et qui se sont dit, c'est un réel défi, mais on a envie, on va le faire, et puis allez, on y met tout ce qui est possible. Bouillez les meurtres en petits pas, petit feu en petit tas, les bigotes qui cimetière un petit pas, un petit jour, un petit froid, des bigotes. Puis dans le ciel qui n'existe pas, les gens sont fitains, on a dit pour elle, une auréole et debout d'elle, ils s'envolent, elle s'envole. Au petit pas, des bigotes. On a beaucoup travaillé, donc moi je suis assez confiante. Pour nous c'était un peu dur, mais au fur et à mesure, en travaillant, ça va mieux. On a dû beaucoup travailler, on a beaucoup progressé et on a encore un peu de travail pour être totalement opérationnel la semaine prochaine. Ça nous a fait énormément progresser en fait dans la musique, donc ça nous a demandé effectivement quand même un investissement personnel important. Et puis, effectivement, on verra bien si on est au niveau la semaine prochaine, on l'espère. On a tout fait pour, quoi. Ah oui, c'était vraiment un beau projet. C'est pour nous, c'est vraiment une chance. Oui, Virginie nous a bien aidé, nous a bien épaulé. Elle nous a fait beaucoup travailler. C'est beaucoup travaillé, mais beaucoup rassuré aussi par rapport à nos incertitudes. Et on a fait des choses complètement différentes de ce qu'on fait les années précédentes.